Ambiance inhabituelle au marché à poissons frais de Chagouin. Les vendeuses accueillent un hôte de marque. Il s'agit du ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement Durable, Mahmad Ahmad Lazina. Lui et ses collaborateurs sont venus s'enquérir des conditions de vente et de conservation de poissons au sein du dit marché. De la chambre froide pour la conservation de poissons, en passant par le groupe électrogène et les hangars, le ministre a pris la pleine mesure des besoins. Des nécessités que les vendeuses, par la voix de leur présidente Phil Agoy, résument en besoins en énergie et en nombre de hangars, en financement pour l'assainissement du marché et en échange avec le monde extérieur pour l'acquisition des techniques de vente et de conservation de poissons. Le ministre de l'Environnement assure avoir pris bonne note. Soutenir les femmes, c'est le souci du président de la République, chef de l'État, et le premier ministre qui insiste qu'on regarde de près toute initiative des femmes. L'instant d'après, Mahmad Ahmad Lazina s'est rendu au marché à poissons transformés de Chagoua 2, puis au marché Alfara dans le même quartier. Comme dans le marché visité précédemment, avec les comités de gestion, le ministre a recueilli les besoins avant de promettre des vrais pour l'amélioration des conditions.